Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector avec peut-être mais pas sûr, le dernier épisode. Je pense pas que ce soit la dernière mission parce qu'on est censé débloquer des nouvelles unités, mais on sait pas, on n'est pas sûr. Donc on va tranquillement continuer. Ici il nous restait quelques gens à allumer. On a un bon petit 81% de chance de toucher avec 80% de chance de déclencher foi et fureur. Apparemment on peut pas passer à 100%, on était à 80% juste avant. Et elle l'a pas déclenché malheureusement. Donc elle fait un petit peu mal, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. Ici, est-ce que ça vaut le coup? On pourrait terminer lui si on faisait ça. Malheureusement, l'ennemi est hors de portée. Il reste juste une action. On va essayer de diminuer un petit peu cela, histoire que. Voilà, histoire que de diminuer le DPS tout simplement de ces unités-là, même si ça devrait pas être monstrueux. Là on a, on est dans le truc de présence toxique ici, hein, donc on va protéger un petit peu cette zone. Les Hellblaster ici, pareil, ils vont couvrir pour une éventuelle avancée de gargouille. L'ami Carléon, il a deux points d'action, qui va se mettre là. Et il va mettre un petit boost sur l'archiviste et couvrir ce côté. Et le tech marine, il n'y a pas grand chose à soigner en termes de mécanique en tout cas. Donc c'est parti pour une petite couverture par là et on est parti. Alors il y a encore des trucs en dehors de la map. On devrait être capable de riposter là normalement. Voilà. Ouais, bon, eux ils tirent, mais c'est pas ça qui va nous faire mal. Hein. On s'entend. Alors là il y a du monde par contre. Où est-ce qu'ils vont? Il y a peut-être un chemin qui m'a échappé par là. C'est pas grave, nous on va arriver de toute façon. Donc on avait des unités qui avaient popé derrière. Hein. Elles décident de partir par là visiblement. Bim. Ah là, est-ce qu'on n'est pas gêné par ça? Ouais si, on est gêné par ça, effectivement. Bim bim bim. Ok, très bien. Cette attaque de réaction au pistolet qui fait bien plaise. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? On s'est mis en surveillance là, parce qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux au cas où ils venaient. Visiblement, ils préfèrent couvrir en faisant quelques petits dégâts par ici. Alors l'archiviste, on va essayer de le soigner avant d'y aller. Mais là, clairement, va y avoir sauté dans le tas. Hein. Notre soigneur, il est assez loin par contre. Ça, c'est chiant. Du coup, on va peut-être plutôt soigner eux. Allez, viens là. Voilà, tu vas pouvoir claquer un petit soin là-dessus. Et là, bah, on va pouvoir aller s'occuper de ça hein, assez facilement normalement. Donc on a un archiviste ici. Un archiviste ici. On a une escouade d'assaut qui va être capable de se débarrasser d'une gargouille. Une autre escouade d'assaut qui malheureusement n'a pas son jetpack. Donc il va mettre un petit peu de temps à arriver. Ici, Frère Kindar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une case, il va mettre des petites tatanes par là, et après il va avancer vers son objectif. Il est pas mort lui. Allez, finis-le. Voilà. Non, putain, c'est pas du tout le bon chemin. Dommage. Bon, c'est pas grave, j'ai pas perdu beaucoup de mouvement, faut faire le tour par là. Ici. Il faudrait qu'on élimine ces gens.
pas mal. Toi, tu vas venir ici, comme ça tu pourras mettre un petit tir là et après un petit tir là. Ok, elle a gagné son PA supplémentaire. 30% de dégâts, 1 point d'action. En avant. On allume. On allume. Voilà, l'objectif c'est que elle puisse terminer le travail. Voilà. Ah mais non, tirez-moi sur celui-là, ouais merci quand même. J'ai cru qu'elle allait se focus sur les deux premiers. Bon, lui a survécu mais il va pas survivre longtemps. Le dreadnought du coup, on va l'envoyer par là-bas. Il est complètement en état de tanker hein, tout ce qu'on voudra bien lui envoyer dessus. Hop, un coup de lance-flamme. Pareil pour toi, tant qu'à faire, roule dans le machin toxique. 72 chances de toucher, c'est pas mal hein. Allez, go. Petite tempête de tir là. Bien, lui il fera plus grand chose comme ça. C'est cadeau. On peut envoyer quelques séraphines. Bah elle, je pense qu'elle serait pas mal par là-bas en fait. Est-ce qu'elles vont déclencher la surveillance? Non. Ah, on a des petites merdes ici. Allez, go. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ici, on va aller là avec lui. Toi, tu vas aller par là, quitte à déclencher la surveillance. Voilà, on sait qu'il va te faire mal. Comme ça, on est au contact des deux. C'est tout bénef. Un petit cramage ici. Nickel. Ici, je pourrais presque faire ça. Je vais faire ça. Nickel. Petit dégât de zone intéressant. Toi, c'est pareil, du coup, tu vas venir ici. Ouais, c'est celui qui est un petit peu plus endommagé que je mets devant, mais c'est pas grave. Allez. Bim. Ça fait le taf. On va pouvoir envoyer eux également. Ils vont aller par là-bas, sur les cadavres. Je pense qu'on va pouvoir leur faire un petit allumage ici. Terminer ça, c'est parfait. 12 avancées encore d'une case. Le Tech Marine il peut pas faire grand chose, le Lance Spider. Par contre, lui il a moyen d'avancer un peu. Donc on est obligé de passer dans le foutu nuage là. Ah mais on l'a esquivé visiblement, c'est cool. Allez, diminuons ça. Nickel. Cette escouade d'assaut, elle peut pas faire grand chose. Je vais l'envoyer par là-bas pour qu'ensuite elle puisse agir. Là, on va envoyer Carléon dans le tas. Un petit coup de tronçon. Parfait. Et encore un petit coup de tronçonneuse. C'est propre, on va donc pouvoir se tourner par là-bas face à eux. Le Tech Marine il va courir par là. Vous, vous allez tracer par ici. Les Hellblasters ils ont pas de jetpack donc ils vont passer par là. Donc là on sait qu'il y a des ennemis à l'arrière. Donc toi on va t'envoyer là pour que tu fasses, tu bloques pas le chemin. Et tu vas couvrir un petit peu ce qui pourrait arriver derrière. Et il ne reste plus personne. C'est parti. Donc là on n'a aucune surveillance malheureusement. Par contre s'ils essaient d'avancer dans nos zones de contrôle forcément pique.
Et eux aussi ils ont leur petite attaque de zone. Les séraphines qui allument ce qui restait. Bim, voilà, ça c'est fait. Alors eux ils se replient, sans surprise, ils vont nous faire un petit tir, mais même si c'est de dos, on doit survivre, voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent dans ma zone de contrôle en lance-flamme. Ah bah écoutez, très bonne idée. Eux aussi, non? Ça m'économiserait des trucs. Ouais. Parfait. Bon bah il va plus rester à frère Kinder qu'à courir un peu. Ici. Ça a pas suffi à le tuer, sérieux? Alors là on est empoisonné en plus, c'est un peu chiant mais bon. Faut qu'on sorte de cette zone très rapidement. Defensive zone set. The wall is 20 dégâts. On devrait pouvoir gérer 20 dégâts. On va couvrir une éventuelle arrivée par là. Là on va se placer au cas où il y aura quelque chose qui voudrait foutre la merde. Ici c'est tout nettoyé donc on peut courir. Avec toi aussi. On va quand même se mettre en protection vers l'arrière, hein, bien sûr, pour éviter tout coup fourré. D'autant plus qu'on a notre soigneur un peu à l'arrière ici. Donc on va lui laisser un petit peu de soutien. Tournez-vous, vous. Plutôt par là, voilà, pour les voir. Il reste eux. Hop, si quelque chose se pointe là, on l'allume. Toi t'as qu'à avancer. Allez, perd un peu d'impulsion, mais tant pis, hein. Le poison qui fait un petit peu mal. Donc là il bouge, ok il s'approche. Ils sont très loin encore et on va largement les gérer. Toi tu peux y aller? Oui, parfait. C'est parti. Alors, est-ce que ça va nous faire un coup foireux? Augure. Défendre Kindar alors qu'il pisse par augure le chef du noyau synaptique. Ah! Très très bien. Défendons-le alors. On va resserrer les rangs avec les unités lourdes. Est-ce qu'on a des petits soins à faire? Ouais, là on a un petit soin à faire. Hop. Ready.
defy their existence. Ici, on va se préparer en cas d'éventuellement quelqu'un qui déciderait d'arriver par là. Toi, tu vas foncer par ici. We are the blood blades of Skyfall. Tech Marine, standing by. Et vous, protégez donc par là-bas. Et eux, on les fout ici du coup. Alors, qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous attaquer? Sachant qu'on a au pire notre, notre truc de point de commandement là, qui pourrait complètement dépouiller... ce qui aurait envie de s'approcher d'un peu trop près. Sky, on va pas utiliser le... Yes. Ça, c'est pas utile. On va se contenter de les faire venir jusqu'ici, les tourner. Et c'est parti. Si tout ce qui reste là, c'est les deux petites merdes qu'il y a ici, on n'est pas trop trop... inquiet, hein. L'ennemi pense qu'il peut rester beyond our reach. We are the blood blades of Skyfall. Allez, on va aller s'occuper d'eux. Essayer de voir ce qui reste derrière. Des Termagant. Okay. The Swarm has no right to live. I await your orders. Ça c'est fait. On our way. Voilà, ça va largement suffire. Hop, allez, je suis désolé, tout le monde en, en formation. Il nous tire dessus, de suffisamment loin pour pas activer les surveillances. C'est pas grave, on va envoyer notre copain ici leur cramer la tronche. C'est bien le lance-flamme. J'ai un doute que c'était le fuseur. Il y a des contacts statiques, je dois... Nous devons aller dans les villes des morts, dans l'aberration, le noyau. Ok, très bien. Carléon au rapport. Nous sommes au saut de l'ange, Frekindar, et il dit que nous sommes proches. Nous avons trouvé le noyau synaptique dans les terres fantômes. We will find a synaptic core within the Ghostlands. Carléon, tu dois finir ça maintenant. Le Seigneur Gilliman a quelques instants d'envoyer Kato Sicarius pour terminer le travail à votre place. L'honneur de Lord Dante est la monnaie que nous dépensons pour chaque heure que continue à durer le réseau tyrannide. Ouais bah hey, on fait ce qu'on peut, hein. Que Sanguinus prouve que ma confiance en toi n'était pas déplacée. Trouve le chef synaptique, Carléon. Tu le tues ou tu meurs de ses mains. Ne reviens pas à Baal avant que l'une de ces choses ne soit vraie. Ah, les Space Marines. Toujours un plaisir de travailler pour eux. Ok, on a débloqué les nouvelles unités, donc c'est les Tech Marines normalement. On en a clairement pas besoin, hein. Donc on ne va pas en prendre pour l'instant. On est toujours notre petit 1095, ça me paraît plutôt bien. On va aller regarder un peu ce qu'on peut faire. On pourrait prendre les pistolets infernaux. Alors pour les escouades d'assaut, c'est pas ouf. Par contre pour Carléon, ça pourrait être pas mal. Encore que... Ça peut se discuter, parce que tirer sur une cible avec une précision de base de 80, c'est pas forcément plus ouf que ce qu'il a pour l'instant, hein. Très clairement. Les agresseurs, non. Ça, c'est pareil, ça n'était pas dans le thème. Un petit canon Flamestorm pour le Predator, mais on a déjà pas mal de lance-flammes. Et mine de rien, on est quand même sur un truc qui a quand même une portée de 1 à 2, donc c'est pas ouf, quoi. Je préfère garder son petit canon, certes pas dingue, mais bon, qui au moins peut attaquer d'assez loin vu comme il est lent. Plus 20 de PV pour les unités mécaniques, pourquoi pas.
On pourrait aller chercher les améliorations des Landspider. Un multifuseur ou encore un lance-flamme. Ou pas. La lance de sang pour les archivistes, par contre, c'est pas mal. Hein. Projette une lance qui endommage tous les ennemis sur le chemin de la cible, portée maximale 2. Elle inflige 37,50 d'éclaboussures et 4 de perforation d'armure. Ça, on va le prendre. Hein. Et ça, 40 PV pour supplémentaire pour les archivistes. Ouais, on prend. Et toi, ma chère, tu peux prendre ça pour les sorts de bataille. Non. 20 PV pour... ouais, pourquoi pas. La télémétrie, moins 15 d'évasion pour les lance-spider. Ça pourrait être pas inutile, hein. Dans un rayon de 3K, c'est assez un peu trop proche, quoi. Lui, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre pour 3. Les armures, on a absolument pas besoin. On va prendre les PV supplémentaires pour les unités mécaniques. C'est parti. Et vu que l'épisode est pas trop long, on va commencer les Terres Fantômes. Les Terres Fantômes. Balfour a grandi sur ces ruines depuis plus de 12 000 ans. Les spectres de ces civilisations passées nous observent. D'avant le sang, d'avant la pluie nucléaire. Mm-hmm. 12 000 ans, ça fait long quand même, hein. Je ne sais pas si les tyrannides qui infestent ces ruines peuvent vraiment contacter l'esprit ruche et s'ils peuvent guider le Léviathan vers le retour. Même maintenant, ce n'est qu'une conjecture et une théorie. Et ce que je sais, c'est que l'honneur de notre chapitre dépend entièrement d'un archiviste que nous sommes en train de perdre à cause de la rage noire. Cela me peine de le voir se détériorer. Nous sommes tous tenus sur ce précipice il y a quelques jours, pour être battus, restaurés et pourtant tombés à court de grâce. C'est vrai qu'il faut tracer là. Hein. Je dois croire que Ferkindar peut maintenir la sérénité nécessaire pour rester avec nous jusqu'à la fin. Il en coûtera la vie à beaucoup d'entre nous pour le soumettre s'il devait tomber maintenant. Et je me tiens déjà debout sur les épaules de trop de ferrères morts. Alors c'est vrai que l'archiviste qui devient fou, c'est un peu la merde. Hein. Quant à la sœur supérieure, elle a trop vu l'obscurité à laquelle nous sommes confrontés. Son examen minutieux est troublant. Je vais examiner la meilleure façon de traiter avec notre estimé allié une fois que la menace de ce leader synaptique aura été éliminée. I will consider how best to deal with our esteemed ally once the threat of this synaptic leader has been eliminated. Eh ouais, ça rend tout le monde fou ce truc. Donc on devrait débloquer des archivistes du coup. Les terres fantômes sont un terravague en ruine, elles sont tout ce qui reste de la grande civilisation qui a jadis prospéré à travers Baal Secondus pendant l'âge sombre technologique. On ne sait pas ce qui a amené les civilisations de Baal Secondus et Baal Primus à la guerre. Les mythes locaux décrivent les lunes comme des frères et sœurs en guerre qui ont finalement été ruinés par des armes d'une ampleur inimaginable. Les zones radioactives mortises qui jalonnent Baal Secondus sont la preuve de la destruction qui a été faite. Ah, on va encore avoir des zones radioactives dans le coin. Très bien. Toujours à privilégier. Et on est parti. Même la poussière d'une ville morte depuis longtemps n'est pas à l'abri de leur faim inépuisable. Le seul but de ce donjon, c'est de se repaître, tout cela pour alimenter la grande entité pour son propre bien. Leur existence creuse sera de courte durée devant la puissance de l'empereur. Très bien, alors. On est à 1995 sur 2000 toujours, c'est pas mal. On a une très grosse zone, visiblement pour l'instant on ne voit personne, et on est clairement découpé. Hein. Donc on va mettre les unités lourdes sur les côtés, je pense. Alors il faut faire un peu de place. On est vraiment hyper juste en termes de niveau de taille de déplacement, de déploiement, pardon. On va mettre les Hellblaster au centre, avec un peu de soutien. Ils pourront éventuellement allumer des deux côtés. Sœur Vérité, tu vas aller là. Carléon, tu vas ici. On va mettre Frère Kindar là avec un Landspeeder. Un Landspeeder de ce côté-là. Un archiviste. Je vais me mettre dans une vision un peu plus. Voilà. Un archiviste de ce côté-là, le Landspeeder ici. Archiviste là, une Séraphine. On a quand même, on est assez lourd sur ce côté-là. Le Soigneur là, pourquoi pas. Le Tech Marine, il va derrière. Il nous faut des unités d'assaut ici.
Frère Arturo, on manque un peu de perçage d'armure ici, donc on va rajouter un Inceptor. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal pour commencer. Voyons voir ce qu'on nous propose. Activer les trois contrôles de porte. Alors, un là. Un tout là-bas. Ok. Et le dernier ici. D'accord. Donc on va là. On va ici et on va tout là-bas. Ça nous fait nous séparer énormément, hein, donc on va peut-être pas faire trois expéditions. On va commencer par avancer avec Frère Kindar pour voir un petit peu ce qui peut nous attendre. Ça c'est de la petite daube. Regarde un peu par là. Tu vois rien, du coup. Feu, 98% de chance de toucher. Il y a un primordial derrière là. C'est intéressant à savoir. Il est un tout petit peu au-dessus, ok, il est par là. Ici on voit rien. On va augmenter notre cône de détection. Ok, on voit des trucs venimeux par là, mais c'est tout visiblement. Hein. Visiblement on n'a rien derrière nous, ce qui est plutôt très très bien. Alors, le Tech Marine, c'est peut-être pas ici qui sera le plus utile. Voilà, encore que aussi. Allez, go. On envoie les Inceptors. Là, on a quoi? Des Gen Stealers ici. Pas mal de monde en face, hein, sur la première ligne. On va envoyer eux cramer un petit peu la tronche. Hop là, ça va nous permettre de nous placer avec cela. On allume. Ouais, plus efficace avec son épée, à pas se mentir. En avant, alors là, est-ce qu'on leur tire dessus? 73% x 5, ça peut être pas mal. Ouais, c'est propre. Du coup, toi tu vas couvrir. Toi tu vas couvrir. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Deux gorges venimeuses. Allez, 82%. De toute façon, ils peuvent pas nous attaquer. Par contre, ils peuvent peut-être lancer leur nuage là quand même à cette distance là. Mais c'est pas dit. On peut y aller à la grenade. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas si mal. Sœur Verity, elle va se placer par là, le Land Spider plutôt sur le côté. Rien dans cet angle là, mais bon, il pourrait y avoir des trucs cachés, hein. Allez, allume. Alors si on pouvait réussir à mettre un dernier tir sur lui, 64% de chance, c'est jouable. Voilà, parfait. En plus elle a gagné son petit bonus, on va la mettre au centre. On va avancer celle qui reste à avancer. Et comme ça, on va pouvoir lancer une petite compétence des familles. Alors, qui c'est qui reste? Toi. Hop. Hop là.
Alors, en avant pour leur premier tour. Le primordial fait demi-tour. Les Gen Stealer aussi. Par contre, les gorges, elles chargent. Hein. Ouais, c'est un sacré labyrinthe encore cette zone. Les trucs qui peuvent voler vont être avantagés. Ok, là il y a des saloperies qui se pointent par contre. Ici un primordial et des petites merdes. Et Hercule, d'accord. Est-ce qu'ils peuvent se soigner? Je pense pas. Ah! Ça par contre, c'est autre chose. Alors, je suis pas sûr que ouais, le lance-flamme devait être trop léger pour lui faire mal à lui. Hein. Ah, par contre, le bolter arrive à passer, tiens. C'est intéressant. Aïe! S'enfuit. Très bien. Alors, il faut qu'on se débarrasse de ça. Ça me paraît la priorité. En avant. Frère Kindar va faire un très bon taf là-dessus aussi, je pense. Voilà. Et après, tu vas venir ici. Et tu vas allumer un peu tout ça. Merci. Ici, on va pouvoir soigner notre petit Land Speeder. On a bien fait de mettre le Tech Marine de ce côté-là, en tout cas pour l'instant. Là, on pourrait sauter dans leur dos histoire de pas activer si possible la saloperie de. Pour l'instant, il y a que des trucs au corps à corps. Alors, je sais pas si on marche dedans là pour attaquer. Est-ce qu'on va se mettre la présence toxique ? Visiblement, non. Ok, c'est pas plus mal. Alors là, on pourrait buter ça, mais je pense que ça va plutôt être adéquat pour lui. Donc là, on avance d'une case. On va mettre Carleon là. Tu vas mettre un petit boost au Land Spider. C'est parti. Ok, c'est propre. Et du coup, le canon tornado. Plutôt nickel ça. En avant. Ah dommage. Très très dommage ça. Oula, doucement. C'est eux que je voulais sélectionner pour les tourner par ici. On va finir ça parce que j'ai pas envie qu'ils nous balancent des trucs. Le petit saloperie là, on peut faire sans. Alors, de ce côté-là, on a eux qui ont décidé de se pointer. On pourrait envoyer l'archiviste direct dans le tas. Donc là, il va être dans la présence toxique, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il s'en fout. Bim! Ensuite vous, du coup, vous allez là. C'est parti. Voilà, parfait. Maintenant, pour la reste. Les séraphines, elles sont quand même assez lentes quand elles n'ont pas leur capacité d'activer. Hein. On va se tourner. Ici, ils sont un peu loin.
50% de chance seulement de toucher. Purée. On va viser là. Pareil, on va viser là. Si jamais il s'approche trop, on allume, mais pour l'instant on peut pas faire beaucoup mieux. Alors de ce côté là, on a un primordial et un petit Termagant des familles. Je pense qu'on va aller... plus 2 de mouvement, ouais. Charger avec ça. Le Predator là, il va se taper la surveillance, tant dire qu'il s'en branle. Voilà. Coucou. On a moins 10 de stabilité de portée, mais... Foutre. Oh, c'est beau. On l'a tellement défouillé, quoi. Et le Dreadnought, il va pas pouvoir faire grand chose. L'archiviste. L'archiviste, il va venir par là. Sir Verity, plutôt là. Tu seras quand même moins gêné par des trucs lourds. Allez. En avant. Ici, il y a des Termagant aussi. Donc toi, du coup, tu vas reculer un peu. 63% de chance, c'est pas si mal, hein. Toi, t'es un petit peu trop loin. Tu pourrais quand même caler un petit truc comme ça. Non, c'est trop loin. On va être sur eux, du coup. Toi, tu vas tanker. Ici, 63% de chance. Waouh, ça fait mal. Hein. Ça fait bien mal. Toi, tu couvres par là. Toi, du coup, vu qu'ils vont très probablement se pointer, tu couvres par là. Toi, tu couvres un peu tout ce qui vient. Ok. Et ici, on a une petite zone également de couverture. Ça se passe pas trop mal. Alors, est-ce que c'est eux qui vont déclencher? Non, ils foutent une foutue truc toxique en plein milieu du chemin. Les espèces de fumier, quoi. Le primal est de retour. Ouf. Ça pique. Ouais, il me l'a mis bien aux deux tiers, là. Là on a du guerrier, mais ils ont pas des crashs morts, ça va. On a quand même du lourd sur ce côté là. Même si on manque un petit peu de soins peut-être. Alors eux ils décident de venir. Oh, vous êtes sérieux, vous les avez tous ratés? Ah bah quand même. C'est abusé ça. Bon là c'est pareil, il reste ma deuxième ligne là, enfin ma première ligne qui va se défendre. Voilà. Ici reste lui qui va pas faire grand chose. Un petit coup de tronçonneuse peut-être. Allez. Parfait, merci. Ah. On a le prédateur pour aider. Ah non, il s'est barré de l'autre côté ce con, on dirait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'est mis juste en dehors de ma portée de surveillance, bien joué. Je pensais qu'ils allaient longer. Alors, on va commencer par réactiver ça, pour voir ce que ça fait. Interagir. Ok, on a activé, se désactive en 3 tours. Ah, d'accord. Donc on est effectivement obligé de faire 3 trucs distincts. Bon, on a bien fait de commencer à faire 3 trucs distincts. 3 tours pour arriver là-bas, c'est jouable. Hein. Franchement, c'est carrément jouable. On trace. Là, on va se mettre ici, mettre un petit coup de lance-flamme et continuer d'avancer. Opening fire. Voilà, c'est fait. En avant. On nettoie.
Parfait, ça laisse la place aux Séraphines. Il faut qu'elles aillent au corps à corps, elles. Toi, tu peux plus avancer. Hein. Pareil pour l'archiviste. Alors, on va se les faire d'abord à distance. Voilà, l'archiviste va pouvoir comme ça les terminer. Parfait. On va protéger par là au cas où l'autre saloperie qui revienne là. Toi, tu peux avancer et refaire ta petite compétence. Fais donc ça. Et on a un Land Speeder aussi qui doit avancer, parfait. Tu vas couvrir un peu toi aussi, tout ça, voilà. Alors au centre, ici on a un primordial. Il va falloir faire de la place pour frère Arturo qui va devoir soigner. Tant bien que mal. Allez, faut le finir là. Sinon t'es mort. Oh! Putain! 6 PV! Sérieusement! Quel enfer! Oh la vache! Et nous on prend super cher parce qu'on est dans le truc. Ok, bon alors par contre, toi du coup, faut que tu te replies. Hop! C'est frère Arturo qui va tanker. Pourquoi pas. Non, c'est pas frère Arturo qui va tanker, il va reculer frère Arturo et on va tanker avec eux. Même si leur lance-flamme est pas ouf contre les Gen Stealer. Ici on va pas avancer dans leur zone de poison à la con. Par contre faut les allumer. Parfait, encore un coup. Ok, nickel. Du coup, vous gardez ce qui arrive ici. L'archiviste, surveille donc à l'arrière. Alors ici, on a activé la porte, il va falloir qu'on tienne parce que des fois que ça se désactive dans les 3 tours. On a un peu de Gen Stealer, un peu de gorge venimeuse ici, là y'a rien, ok. Donc tu couvres par ici. On est obligé de marcher dans cette merde, ça dure combien de temps? Non, lui les mécaniques ça l'a pas dérangé. Je vais passer par ici pour faire le tour. Toi tes mécaniques ça devrait donc pas te gêner non plus. Parfait, tu vas couvrir par là. Et eux deux, ben, ils vont avancer pour l'instant, mais pour l'instant, sans, ils vont pas rentrer dans la zone, tant pis. On va couvrir les flancs de notre copain ici. Vous pareil. Hop. Et on a tout fait. C'est parti. Ils ont l'air noirs, non? Non, c'est des gorges venimeuses aussi. Très bien. Couvre la zone de leur machin, mais c'est assez loin donc ça me dérange moins. Ah, un chargeur. Ok, ça fait mal mais c'est acceptable. Ici même si c'est pas ouf, on va quand même leur cramer un peu la tronche, ça fait du DPS. Ok, on résiste, tronçonneuse. Oh, vous êtes sérieux, vous les tuez pas quoi? Bon bah tant pis. Alors là, ils viennent par ici, pourquoi pas. Visiblement, il décide d'y venir en rampant, pourquoi pas.
Alors ici, la zone a disparu, c'est parfait, en avant. On va nettoyer un petit peu la zone, hop là. Encore un coup. Nickel, toi tu viens là. Ok, parfait. Toi tu viens ici, toi tu viens là, vous, vous allez venir là pour empêcher d'éventuelles saloperies de se pointer. Cela, hein, très très clairement cela. Ici on couvre un petit peu, toi au cas où. Une petite armure sur Iron Spider, et vous, bah... Vous allez vous mettre une case devant. Encore deux tours. Ok, alors du coup ici, on va pouvoir mettre une petite tatane là, ça devrait les finir. Parfait. Toi t'es à 48 d'impulsion. Tu vas lancer ça, et après tu vas soigner eux dans l'optique où j'aimerais bien que tu puisses utiliser une capacité améliorée pour soigner celui-là, même s'il te faut encore un petit peu de temps. Donc là ils nous ont mis leur grosse saloperie de nuages. On pourrait voler par-dessus pour aller choper celui-là. Ce serait une possibilité. On va voir si ça marche. Ah, ça l'active quand même. Non, ils l'ont pas eu, parfait. Go! Alors à vous maintenant, avec votre truc qui vole également. Parfait, ça l'a pas activé non plus. 97% de chance de toucher. Et bim. On avance. Et on avance. Donc ils sont un petit peu exposés, puisque ça va être les seuls à pouvoir traverser. Mais avec un peu de bol, il n'y a pas trop d'autres grosses saloperies. On va mettre eux en couverture sur leurs arrières. Frère Arturo, il va courir par là. L'archiviste également, sachant que eux, il y a quand même assez peu de chances qu'ils puissent charger jusque là. Ici, on a ce truc là à nettoyer. Alors elles vont être parfaites pour ça. Boum 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 boum. 280, ça suffit pas. Se mettre là. Deux coups d'épée devraient en venir à bout, je pense, peut-être même un seul. Non, il a une bonne armure quand même. Combien d'armure ce truc là? 7, ouais. En avant, on finit. Parfait. Toi, tu viens là pour te gérer ça et te rapprocher de la porte. On profite pour vérifier qu'on ne détecte rien. Bah encore hein. Ah bon, fallait tirer sur l'autre. Et du coup elle a activé son truc, c'est parfait, foi et fureur, c'est le moment pour le finir. Parfait. En avant, en avant, en avant. Tout le monde avance. Toi je vais même t'envoyer par ici au cas où. Il y aura des petites saloperies qui voudraient faire les malins et contourner. Même si j'ai quand même pas l'impression que c'est le thème. Hein. Là, elles sont loin devant. Hop. Il nous reste eux également. Parfait, c'est des Gen Stealers en face, donc de toute façon, s'ils veulent venir, ça sera au cac. Ouf, deux primordiaux sur le chemin principal là. Allez, faut l'allumer. Bim 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 bim. Oui, ça fait plaise. Bon, ça c'est un peu over abuse par contre, le deuxième attaque là, je pense.
ça en fait un de mort déjà. Ah, ça les a fait réfléchir, on dirait. Ils se tâtent un peu. Il y a un sacré grand nombre de Gen Stealers. Hein. Eux ils décident de faire le tour, hein, pourquoi pas. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, il est bien assez long et on va pas terminer de toute façon dans les 10 minutes, je pense. Donc du coup, on fait ça lors du prochain, j'espère que ça vous a plu, et merci à toutes et à tous.